Dans notre école, nous travaillons régulièrement sur le respect de la nature et de notre environnement. Notre cours est composé d'îlots oasis dans lesquels nous avons installé des nichoirs, des mangeoires, un abreuvoir pour les oiseaux, un abri pour les chauves-souris. Les abris à insectes dans les prairies fleuries, nous avons nous-mêmes semé des graines. Il y a même un restaurant pour les escargots. Nous avons aussi des composteurs que nous pouvons utiliser quand nous souhaitons des arrosoirs que nous remplissons avec les réservoirs d'eau de pluie. Des pinces sont à notre disposition pour nettoyer notre cour. Nous avons la chance de pouvoir participer à des ateliers de semis, de plantation et sur le tri des déchets avec le service écolo vert de la ville. Nous travaillons également avec la Ligue des protections des oiseaux lors d'ateliers au parc de la Poudrerie. Des affichages sur la faune et la flore de notre quartier et d'ailleurs décorent la cour et nous apprennent plein de choses. Cette année, le jardin situé à l'arrière de l'école va devenir une mini-réserve naturelle qui nous permettra de préserver la biodiversité et d'observer insectes et autres animaux, des jardins, de semer des fleurs et de planter des espèces végétales qui vont attirer d'autres sortes de petites bêtes. Nous sommes très fiers d'avoir obtenu la labellisation E3D. C'était Zaineb et Marwan pour TV Curie.